Christine Falquier. C'est ça. Manon Bira. Oui. Martine Bartosek. Oui. Florence Durand. Voilà, alors là, on est à l'accueil. Vous avez les programmes avec tout, les manger, les ateliers, tout ça. Hein? Vous avez amené. Merci. Unibis réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'export, ce qui est quand même une petite particularité au sein des CAF coopératives, puisque beaucoup de CAF coopératives travaillent notamment sur le marché français, et moins sur la partie exportation. Et une autre des particularités, je pense, plus singulière, c'est l'exploitation de vignes en direct. Donc aujourd'hui, Unibis exploite deux exploitations, le château de Mont-Désir, dans la Haute Bergerac, à Villefranche-de-Longchamp, et donc le château des Vignes, où on se trouve aujourd'hui. Donc quelques éléments d'histoire. Le château des Vignes appartenait au baron de Garin, qui était donc quelqu'un qui a toujours été un orateur, notamment en viticulture. On trouve des écrits ici où le baron de Garin recevait des salariés de Mouton Rothschild pour leur expliquer la viticulture. C'est assez rigolo de relire ces documents. Et le baron de Garin a été notamment très très important au moment de la lutte contre le phylloxéra. Et donc ici sur le Rhin, le baron de Garin a essayé différentes méthodes. Et la méthode qui a sauvé le vigneron français, c'est en fait ça s'appelle le greffage. En fait, on importe une partie de vitis qui vient des États-Unis américains et sur lesquels on greffe les cépages français pour garder les qualités des vins français. Donc en 1986, Univitis a acheté l'exploitation à la famille du maréchal Leclerc de Tocloc. Et donc aujourd'hui, le domaine représente, on va dire, 155 hectares, dont 130 hectares de vignobles, 88 de vignes rouges et 42 de vignes blanches. Depuis 2005, le vignoble est qualifié à l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est quoi? C'est en fait une méthode pour limiter l'utilisation et l'application de produits en vue de protéger le vignoble contre les ravageurs qui l'agressent. Donc, pour Univitis, le château des Vergnes, c'est un tour vignoble pilote qui est destiné à ses adhérents, qui permet de tester ici des techniques nouvelles et de les valider, aussi bien au niveau technique qu'économique. C'est en fait un laboratoire à grandeur nature avant de développer ces techniques chez nos adhérents viticulteurs. C'est aussi la vitrine de l'entreprise qui nous sert donc à recevoir nos clients acheteurs sur le domaine. Et promouvoir notre vignoble de notre région. C'est aussi quelque chose qui est utilisé pour communiquer vers différents publics, on va dire vers ce qu'on appelle nous les institutionnels, soit nos chambres consulaires, soit nos environnements politiques, soit locaux, départementaux, régionaux, nationaux. Et c'est aussi, bien sûr, un outil pour communiquer vers notre public. L'exemple type, c'est la journée d'aujourd'hui. La conférence alors. Moi. Bon, alors. Et André Fougeot et Martin Van Adlen. D'accord. Et là, vous êtes en train de préparer, donc, c'est ça, bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes venu ici pour la journée de l'université de Madeleine. Le domaine des Vergnes appartient à la communauté de l'Univitis. Et moi, j'interviens ici en tant que enseignant à l'État de Bordeaux qui fait aussi de la recherche sur les aspects. Biodiversité, donc on va vous raconter un tout petit peu ce que ça veut dire, quelles sont les techniques utilisées, quels sont les résultats qu'on a. Donc on est en petit groupe, hein, donc si vous avez des questions, vous les posez comme ça, il n'y a aucun souci. Donc on est en 2010, c'est l'année de la biodiversité à l'échelle mondiale. Sur ce projet, on est plusieurs partenaires, donc je vous ai déjà parlé de l'État de Bordeaux, je ne vous ai pas parlé de l'ARDVD, l'Association de Recherche et de Développement en Viticulture Durable. C'est une toute petite association, avec 300 salariés, qui travaille justement tous ces aspects-là, à différents endroits en France. Et si vous allez à l'atelier paysage, vous allez rencontrer une des salariés de l'ARDVD, qui s'appelle Joseva Getzer. Et je collabore beaucoup avec eux, c'est très facile parce que je suis le président de cette association.
ça facilite un peu la collaboration. Et donc, Château des Verlaines. On travaille aussi avec un ONG, une organisation non gouvernementale américaine, qui s'appelle Earthwatch, et puis Syngenta, qui est présent ici sur le site aussi. Donc, alors pourquoi s'intéresser, pourquoi s'inquiéter sur la biodiversité? Tout simplement parce que le constat est très simple et alarmant. La biodiversité recule, mais recule assez vite. Et entrez là si vous voulez, il n'y a pas de souci. La biodiversité, ben, on a un peu de mal à la mesurer. C'est pour ça que je vous donne juste un exemple sur un groupe d'insectes. Et je n'ai même pas les chiffres français parce qu'ils n'existent pas. Donc je vais vous montrer les chiffres que je connais de mon pays d'origine, la Hollande, où on fait une étude sur la quantité de papillons qui se baladent, aussi bien le nombre total d'individus que le nombre d'espèces différentes, depuis maintenant presque 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on a constaté? Ben, déjà qu'il y a des fluctuations qui sont importantes, il faut faire une longue série de mesures. Et quand on fait ces longues séries de mesures, la première série de 10 ans a été terminée en 2002, donc après 10 ans de mesures, ils ont pu démontrer qu'il restait plus que 50% en nombre de papillons en 2002, en nombre d'individus, par rapport à 92. Donc en 10 ans, la moitié des papillons avait disparu. Et ça, c'est des choses qui vont très lentement. On ne s'en rend pas compte. Là, un tout petit peu quand même. Parce que quand moi j'étais jeune, mes parents, ils avaient l'arbre à papillons dans le jardin, dans ma maison. Et je m'amusais avec des bonbons de confiture à attraper des papillons. Et dans ma tête, il y avait plein. Et aujourd'hui, j'en vois quasiment plus. Ben oui, c'est vrai, parce que moi, aujourd'hui, il y a 45 ans. J'ai commencé peut-être à m'intéresser aux papillons quand j'avais 5 ans, c'est pour ça que je suis devenu chercheur en insectes, entomologiste. Et aujourd'hui, sur les 100 individus qu'il y avait à cette époque-là sur l'arbre papillon de l'âge de mes parents, il ne reste plus que 40 ans, donc la moitié de la moitié de la moitié de la moitié. Ça veut dire que, grosso modo, il reste encore 5 sur les 100 qu'il y avait à l'époque. On n'est pas sûr que ça a été aussi fort tout le temps, mais c'est quand même inquiétant. Et quand on regarde la diversité des espèces, combien il y a d'espèces de papillons différents en Hollande, voilà, on a quelques données historiques, parce qu'à l'époque, le siècle dernier, même au 19e, il y avait encore des gens qui, avec des aiguilles, des épingles, avaient épinglé des papillons dans les collections. Et maintenant, ça sert un tout petit peu, parce que ça nous permet de comparer ce qu'il y avait à l'époque avec ce qu'on trouve maintenant. Et on sait qu'autour de 1900, il y avait plus que 70 espèces de papillons en Hollande. C'est une toute petite ville. 17 espèces ont déjà disparu. Okay. Il y en a 8 qui sont très fortement menacées et il y a presque la moitié qui est en très forte régression. Donc c'est quand même très inquiétant. Et on ne comprend pas forcément précisément pourquoi ce déclin il est aussi fort. C'est sans doute lié à, au fait que densité très forte de population en Hollande. C'est sans doute lié à la pollution de l'air par l'industrie, par la nature. Il y a peut-être aussi le rôle de la culture extrêmement insecticide. Voilà, on ne sait pas exactement pourquoi. Ce déclin, il est aussi fort. En France, on a des données depuis 2006, c'est largement trop beau. Donc peut-être que dans 10 ans, on saura qu'en France, c'est pareil ou c'est moins grave. J'ai pas beaucoup de raisons de vous dire que ça sera moins rapide en France qu'en Europe. Au sein d'une espèce, tous les individus sont un petit peu différents les uns des autres. Et si on a cette diversité, on peut aussi avoir une diversité d'espèces. Toutes les différentes espèces. Ici, je vous montre, je sais pas, un araignée, une mouche, des fleurs, des champignons, un lapin, un loup, etc. Et ces espèces-là, ils ont tous leurs propres besoins au niveau du milieu dans lequel ils vivent. Donc il y a aussi le troisième niveau qui est ce qu'on appelle la diversité écosystémique. C'est le fait que dans un paysage, on a bien besoin de bouts de forêt, d'un lac, d'une prairie, d'une montagne, d'un grand océan pour héberger toute cette diversité d'espèces. Et ça s'applique à tous les niveaux. Je vais vous montrer que ça marche même au niveau de l'exploitation viticole. Ces trois niveaux, on ne peut pas les dissocier. Ça va toujours ensemble. Pour nous, c'est le plus facile de
penser à la diversité d'espèces. Cette diversité d'espèces peut être maintenue uniquement quand on a la diversité dans le paysage. Bon, bah, qui mange qui, ça, c'est ta sœur ou... Allez, qui donc mange là, c'est un peu, c'est très simplifié. Hein. Il y a les plantes, après il y a les animaux qui mangent les plantes, et ensuite il y a les animaux qui mangent les autres animaux. Donc c'est un peu comme l'herbe, la gazelle et le lion. Hmm? Mais, compris, pour contre, ici, mais pour les espèces d'ici. Comme dans l'Oralion. Je ne sais pas comment ça... Comme, donc là, par exemple, les plantes, tu vois bien, ça c'est les fleurs. Ouais. Oh, c'est un peu collé. Donc tu les colles ici. Donc, tu vois les fleurs. Tu trouves et après, tu te regardes, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une chenille. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle mange, la chenille? Dis. Un plat. Oui, une feuille. Hein, des feuilles, oui. Tu vois? Tu vois, donc on les met là. Et là, qu'est-ce que c'est? Un lapin. Un lapin? Elle mange quoi? Le lapin, il mange. Dis. Katharina, qu'est-ce qu'il mange? Je ne sais pas. De l'herbe. De l'herbe. Donc on le met là. Bon, maintenant c'est à vous, hein. Allez, allez, cherchez les plantes. Alors, toi, les plantes, sais. C'est le plus facile. Il faut dans du serpent. Ouais, ben, ce sera après. Tu veux le serpent? Oui, mais c'est difficile, je ne sais pas si... Le assez... serpent. Bon, ça fait oh, rien. Ça, se c'est trompe, difficile. Ça fait rien, hein. Où est-ce qu'on va c'est, mettre? C'est compliqué, là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il mange l'escargot, Charlotte? Qu'est-ce qu'il mange dans le jardin à maman? Oui. La salade. Oui, la salade. Oui, ouais. Donc ça mange les plantes. Les plantes, où est-ce que c'est les plantes? Donc, là, c'est les plantes. Tu ne les mets pas dans les plantes. Et tu non, sais, là, il mange les plantes. Oui, donc ça, c'est le groupe des... Celui-là, il mange les plantes. Oui. Ça, c'est les plantes. Et qui est-ce qui mange les plantes? C'est à côté. C'est corps. Tu le sais, c'est un peu c'est comme le lapin. Hein. Mmh. Oui. Qui est-ce qui mange les animaux? Le renard. Ah, qu'est-ce que c'est ça, Katharina? Et donc là, c'est assez simplifié. Hein. On n'a fait que trois groupes. Mais en réalité, il y a des insectes qui mangent les, hein, par exemple les feuilles. Feuilles. Et ensuite, il y a des insectes qui mangent les chenilles. Il y a encore d'autres prédateurs qui mangent ça. Donc à l'intérieur de chaque groupe, tu as encore beaucoup de liens. Donc en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est juste pour montrer que dans la nature, tout est lié. Hein, tout a sa place. Et si on enlève une partie, hein, si on dit, par exemple, là, la chenille, elle ne mange que les feuilles des murs, on enlève les murs, il n'y a plus la chenille. Il n'y a peut-être plus à manger pour... Pour un oiseau. Celui qui mange les chenilles. Oui, ouais. Là, tu vois, donc, tout est lié. Et si on a une grande variété de plantes, on a aussi beaucoup d'insectes différents, et après, beaucoup de mammifères, d'oiseaux et tout ça. C'est pour, un peu pour expliquer... Il y a beaucoup de liens dans la nature. Hein, souvent, il y a une espèce, elle va se nourrir à un endroit et elle va se réfugier ou dormir, se reproduire à un autre endroit. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait toujours plusieurs habitats. On ne peut pas juste faire sur un énorme endroit que de la vigne. Parce que si vous faites ça, vous allez réduire conséquemment le nombre d'individus. Par exemple, s'il y a des animaux qui mangent juste cette fleur et qu'elle n'est pas présente, autour des vignes, et ben cet animal par exemple va disparaître, et donc ceux qui le mangent après vont aussi disparaître. C'est toute la chaîne qui s'écroule, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait en France ou en Europe pour protéger la biodiversité? On a lancé un plan qui s'appelait Natura 2000, vous avez souvent entendu parler la première fois. Chaque membre de l'Union européenne avait l'obligation de désigner des endroits sur lesquels il fallait faire des actions de protection de l'espèce. Et ça représente un pourcentage de la surface de la France qui est très très petit. Là, en vert foncé sur la photo de la France, le dessin de la France, c'est les zones Natura 2000. Bon, les traits sont très épaisses parce qu'en réalité, ce n'est pas beaucoup de surface qui est protégée. Et l'objectif de cette action, c'était d'abord que tout serait en place en 2000. En réalité, la France avait à peine commencé à décider sur les zones à protéger. Dans l'année 2000. Et puis, l'idée, c'était de stopper le déclin de la biodiversité, mais on a bien vu que ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça. Et il faut aussi comprendre que quand on veut protéger la biodiversité, ce n'est pas uniquement en faisant une collection de toutes petites réserves naturelles.
artificielle dans laquelle on ne peut plus rien faire, qui permettent de sauvegarder la biodiversité. Il faut qu'on a aussi une façon de protéger ou de respecter la biodiversité dans le reste de l'espace. Et le reste de l'espace, c'est quoi? En France, 50% de la surface de la France est zone agricole. Alors moi, je suis Josepha Genzer. Oui. Je travaille pour l'association RDVD à laquelle le Château Les Vergnes adhère. RDVD, ça veut dire ? Association pour la recherche et le développement en viticulture durable. Voilà. Et donc, on mène avec le Château Les Vergnes quelques expérimentations sur la biodiversité floristique et faunistique. Et on accompagne aussi un petit peu tout ce qui est gestion environnementale. Coralie. Donc moi, je suis la stagiaire de Josepha. Et je m'occupais cette année du relevé floristique sur une parcelle expérimentale du château. Oui. Et je suis actuellement au master expertise et traitement en environnement. Vas-y, Maud. Allez. On peut faire un pour deux. En plus, un point, on fait des petites équipes. C'est bon. Je peux écrire. Tiens, Jérémy. Tu vas faire avec Inge. Alors. Bon, venez en dessous de la tente, là. On... Oui. Donc l'atelier là, c'est un atelier qui est un petit peu, on va dire, à côté de cette expérimentation. C'est un atelier d'observation du paysage, tout simplement. Donc c'est pour apprendre ou réapprendre, de prendre le temps de se poser 5 minutes, 10 minutes devant un paysage et de l'observer vraiment. On va vous demander de l'observer de fond en comble, notez tout ce que vous notez dessus. Et ensuite, on en discutera au niveau d'un point de vue un peu écologique. La rangée d'arbres ici, là, c'est cette charmille là. Ouais. Ouais. Donc nous, en fait, on s'est posté ici. Mm-hmm. Voilà. Donc on a regardé ça. D'accord. Mm-hmm. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ce que vous avez noté dans les différents plans et dans les différents endroits des paysages. Et puis ensuite, ce qu'on va vous demander, c'est on a à chaque fois une représentation d'un exemple d'éléments. On va vous demander de les apprécier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez au niveau, à quoi ça peut servir, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils ont toujours été là selon vous, est-ce que c'est quelque chose de récent, est-ce que c'est quelque chose qui peut servir au point de vue écologique, économique, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Donc déjà en premier, on va juste récapituler un petit peu si tout le monde a bien tout vu, tous les éléments, et puis ensuite on fera les petites appréciations. Alors au premier plan, très dur. Bah, moi, qu'est-ce qu'on a vu? Le laurier, puis la vigne, puis la ouais. Vignerbe, oui. Et la bande rouge et blanche. La bande rouge et blanche, la rubalise. Et un chemin qui descend dans les vignes. Quelque part, ouais. Et un petit mur. Un petit mur, ouais. La vigne, comment? La vigne, très soignée, dans les commentaires. Très soignée. Ouais, c'est du... C'est fait à la machine. Les feuilles sont maladies, il n'y a pas de marron. Pas de marron, donc c'est pas vrai. De marron. C'est assez simple. Ouais. Et elles sont espacées. Oui. Il y a beaucoup de places larges. Elles sont espacées, puis elles sont hautes. Avec une voiture. De quoi ? Avec une voiture, tu passes entre.
Ah, tu passes entre les rangs. Oui, tout à fait. Entre les rangs. Non, mais ça passe pas. C'est des vignes qui sont plantées assez larges et qui sont tenues assez longtemps. C'est relativement récent. Tout à fait. Ok, donc on a ces vignes, un chemin. Est-ce qu'on a que des vignes? Non, il y a une prairie. Une prairie, il y a une prairie fauchée à droite. Des petites fleurs. Et puis il y a un tas de déchets au coin de la prairie. Ouais. Ça, oui, là, mais ça a l'air bio. Tout le monde le voit là. Oui, ouais, ouais, ouais. Il y a des ronces qui poussent dessus. Des ronces. Voilà. Ouais. Ah, ça, c'est marquant des vignes jeunes. En fait. Donc on a plus des peuplerets et des autres cultures que la vigne. La vigne est plus mise sur les hauteurs, effectivement. Okay. Donc ça nous amène plutôt sur le flanc du coteau d'en face, là. Qu'est-ce qu'on y voit plus? Ouais, ça c'est du 2004. C'est les photos de 2004, hein, donc c'est possible qu'il y ait eu des modifications aussi. Hein. Par exemple, là ce qu'on voit en bas, il y a eu des parcelles qui ont été replantées. Donc ça bouge, ça bouge un petit peu. Donc ensuite, ça nous amène sur le flanc du coteau qui est en face. J'avais noté le troisième flanc. Voilà, ouais. Donc on y est. Qu'est-ce qu'on a de plus? Il y a des bosquets dispersés dans la ville. Ouais, là en même face, on des voit arbres isolés. Des arbres qui sont tout seuls. Ouais. Il y a des poteaux électriques, il y a des habitations. Il doit y avoir une route parce que, vu les poteaux et tout ça. Bah, écoutez, les habitations, alors on va dire que c'est celle là où on est, c'est celle-là. Celle-là ici, celle-là en face. Et puis là, on mange les arbres au troisième. La vie va être de différents âges parce qu'il y en a, on voit de la terre et puis il y en a qu'on voit pas de terre. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus différents verts. Ça fait une différence de couleur. Il doit y en avoir qui sont enherbés et puis il y en a là-bas qui sont complètement cultivés aussi. Oui, j'ai l'impression. Vous voyez que, au premier abord, c'est pas si logique de penser à respecter la biodiversité en viticulture. Et pourtant, c'est, je dirais presque, la culture dans laquelle il y a le plus de possibilités de respecter la biodiversité. Ce qui compte quand on veut faire du vin, c'est la qualité gustative du vin. Et quand on a beaucoup de petites parcelles, on a beaucoup d'espace entre les parcelles. Le monde scientifique pour ça, ce sont des interstices, ou des zones non productives. Et bien, sur ces espaces-là, on peut aussi très bien faire quelque chose en faveur de la biodiversité. Et finalement, la parcelle, la vigne que tu dis pérenne, ça peut rester longtemps au même endroit, mais bon, en général, au bout de 50 ans, beaucoup de plantes sont malades, il y en a qui manquent, qui ont cassé ou autre. Et donc, on va renouveler la parcelle. Quand on va arracher la parcelle et on veut la replanter, il vaut mieux respecter un peu de repos du sol pour reconstituer la structure du sol. Donc, normalement, la viticulture doit laisser son sol au repos pendant plusieurs années. Donc ici, vous avez deux posters, une qui parle des fonctions dans la biodiversité. Donc souvent, c'est très important que les gens attribuent quelque chose d'utile à la biodiversité. Moi, je ne suis pas forcément convaincu, que je trouve qu'en tant que tel, on peut la protéger, mais les gens, ils aiment bien voir aussi des retours de ce qu'ils font. Je peux le comprendre. Donc là, vous en avez trois qui sont listés qu'on connaît. Vous avez un certain nombre de ravageurs, pardon, d'ennemis naturels des ravageurs qui sont présents dans les et qui peuvent s'installer dans le vignoble quand ils sont encore présents. C'est un exemple très classique de acarien qui était devenu un problème dans les vignes dans les années 60-70. Et on a réussi à résoudre le problème avec un autre acarien qui mange les acariens, un acarien prédateur. Donc, et il s'est même avéré que le problème acarien qui mangeait les plantes était dû à l'usage abusif de pesticides qui tuaient les prédateurs. Donc aujourd'hui, on sait que s'il y a un problème de ravageur, il faudrait peut-être aussi réfléchir, est-ce qu'on n'a pas créé nous-mêmes le problème? Aujourd'hui, l'acarien rouge, qui était l'acarien qui mangeait les plantes, est devenu un animal rare dans les vignes, parce qu'elle est parfaitement contrôlée par son ennemi naturel, un acarien prédateur, Typhodrome, c'est son nom scientifique, ça marche très bien. Donc là, vous voyez un intérêt direct, très clair, pour le vigneron, parce qu'à l'époque, on traitait 5-6 fois par an contre les acariens, et ça ne marche toujours pas. Aujourd'hui, il y a zéro traitement acaricide, traitement contre les acariens, en France, en viticulture, c'est quasiment arrêté. En arboriculture, c'est pareil. Oui, arboriculture, sur des cultures annuelles, parfois il y a encore des petits problèmes. Il faudra me trinquer dans tous les cas, à chaque fois. Oui, tout à fait. Donc deuxième fonction très claire, c'est tout ce qui est pollinisation. Donc ça s'applique un petit peu moins à la vigne, parce qu'en vigne, c'est le vent qui pollinise.
Ah, il y a des estimations qui existent sur la valeur de tout ce qui est pollinisateur dans le monde. C'est des milliards et des milliards par an. 153 milliards d'euros. Estimé en valeur pollinisation faite par ces petits esclaves qu'on ne paye même pas. C'est gratuit. Voilà, on le pique le miel, on le donne un peu de sucre. Il y a un apiculteur qui est avec nous, donc vous pouvez discuter avec lui. Et puis au final aussi, la faune sauvage, donc tout ce qui est animaux, souvent est très proche, très dépendant de la présence d'éléments naturels comme ici le canguru. Voilà. Oui, Thomas Mollet, je suis apiculteur. Oui, à quel endroit? À Pardaillan, près de Duras. D'accord. Bonjour, Mickaël Cousinet, je suis viticulteur sur le coteau d'en face. D'accord. Et alors, un viticulteur, apiculteur, ça s'entend bien? Apparemment, oui, ça a l'air d'être. Apparemment, oui. Si on n'était pas obligé de traiter pour la flavescence dorée et de mettre un insecticide obligatoire, ça se passerait mieux, peut-être mieux. Ah, c'est le débat là, alors comment on dit quoi? Non, ben, obligé, tout ce qu'on met sur les vignes, il peut y en avoir. Ça peut être le débat. La première année, il n'y en avait pas. Ouais. Ça peut être le débat. Mais au moment de la flavescence, les ruches ne sont pas trop auprès des vignes. Non, ouais. Donc, okay. Alors là-bas, il y a deux ruches, je vois, qui sont. C'est des ruches de démonstration ou c'est des ruches qui sont là tout le temps? C'est des ruches qui sont en place tout le temps. Qui servent à. Deux choses en gros, qui servent un peu à caractériser la flore butinée par les abeilles sur le domaine, oui. À travers la récolte de pollen et l'analyse de la récolte, qui servent un peu à voir l'impact des pratiques culturales sur abeilles. Bienvenue à tout le monde sur la télé. Abeilles et pollinisateurs. Donc peut-être en introduction de l'atelier, est-ce qu'on pouvait. Bon, mais Thomas Mollet, qui est apiculteur professionnel de son état. Exactement. Bruno Cagnac, je suis responsable de l'environnement au niveau de Tingenta. Je suis collègue d'André Fougeroux, que vous avez vu tout à l'heure. Donc, peut-être en introduction de l'atelier pollinisateur, ce que je vous propose, c'est d'avoir une vision un petit peu globale de l'intérêt des pollinisateurs dans le monde. Alors, l'intérêt, c'est que 80% des espèces végétales ont besoin d'être pollinisées. Alors, les coléoptères, il y a à peu près 300 000 espèces dans le monde. Donc c'est un très grand groupe d'insectes et ça représente 88%. Donc c'est quand même énorme. Ensuite viennent les abeilles. Alors les abeilles, bien sûr, vous avez l'abeille domestique que vous connaissez et que vous parlera Thomas tout à l'heure. Mais vous avez aussi des abeilles sauvages. Il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles en France. Je crois que c'est 2 ou 3 000 dans le monde. Donc il y a 1000 espèces de petites abeilles. Au niveau du vent, le vent représente quand même 8% de la pollinisation, donc c'est important. Mais il n'y a pas que les abeilles et les coléoptères, il y a aussi les papillons, les mouches, qui peuvent aider à la pollinisation. Bon, on retrouve à moindre mesure les chauves-souris, mais bon, ça existe. Il faut savoir que les chauves-souris peuvent aussi aider à la pollinisation. Et depuis à peu près 5 ans, on regarde aussi, en conditions pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires, donc quelles que soient les cultures, l'impact que ça peut avoir sur les auxiliaires qu'on a vus tout à l'heure, mais aussi sur les pollinisateurs. Un des rôles que l'on a, c'est d'améliorer la communication vers les agriculteurs et les viticulteurs pour éviter des incidents au niveau des ruches ou des ruchers. Je suis agriculteur en fait, je cotise à la mutualité sociale agricole avec comme spécificité l'élevage d'abeilles. Je suis installé à Pardaillan à côté de Duras et j'élève entre 400 et 500 colonies d'abeilles, dont à peu près 400 à 450 en production. C'est évidemment variable dans l'année. Alors, mes choix de production sont, c'est le miel, je produis du miel, c'est l'essentiel
de mon revenu. Et effectivement, à côté de ça, je fais un petit peu de pollinisation, la prestation de service de pollinisation, c'est-à-dire on loue les ruches sur des cultures précises pour assurer la pollinisation des fleurs. Alors, par ici, on pollinise évidemment le prunier d'Ante et les pommiers pour les arbres fruitiers. On pollinise aussi les kiwis. La présence de l'abeille sur kiwi est vraiment importante. Et puis, on pollinise aussi donc, des productions de semences. Alors, les collègues sur le Néraquet, qui est une zone de production de semences, vont aussi amener des ruches sur carottes, oignons, etc. Mais par ici, c'est essentiellement colza et tournesol. Après, il y a toute la pollinisation gratuite, qu'on fait gratuitement, les apiculteurs, celle qui est évaluée à 153 milliards au niveau mondial, là, par une équipe de l'INRA, il n'y a pas longtemps. Elle est gratuite parce qu'on fait du miel. Voilà. Aujourd'hui, c'est un métier très, très technique, l'apiculture. C'est un métier, c'est-à-dire qu'en gros, la partie professionnelle n'est pas en difficulté vitale, mais a dû évoluer très vite pour garder les cheptels et les niveaux de production. Et la partie d'apiculture de loisirs, qui n'est pas négligeable en France, en quantité, patine et perd des ruches et a beaucoup de mal à les remplacer. Par manque de technicité, ce qui est logique, parce que c'est un loisir pour eux. En gros, en France, il y a 2000 apiculteurs professionnels qui en vivent, alors qui ont plus de 150 ruches. Et puis les grosses structures, les apiculteurs ont autour de 1000 ruches en France. Hein. Et c'est quoi les résultats des ruches sur les vernis? Alors oui, on a mis quelques ruches ici. Alors avec deux objectifs donc. Le premier, c'est d'avoir un peu un regard sur la flore butinée par les abeilles sur le domaine, par la récolte de pollen et l'analyse des récoltes, régulièrement donc, ce qui donne un peu une idée de ce qu'elles butinent et à quelle période de l'année sur le domaine. Donc c'est qu'un regard, puisque c'est ce que butinent les abeilles seulement, hein, c'est l'ensemble de ce qui est présent. Et puis le deuxième élément, c'est un peu pour confronter la présence de ruches face à un parcours technique vigne. Voilà, et donc on peut voir les moments critiques pour les ruches, ou les moments difficiles, ou les moments avec accident, ou pas, ou etc. C'est voir un peu ça, explorer ça, essayer de trouver le bon système qui permette à la culture et à l'élevage de fonctionner. Très joli. Alors en permanence, hein. Voilà, c'est-à-dire c'est beaucoup de dialogue avec nos collègues. Okay, merci. Beaucoup. Alors c'est beaucoup de dialogue qui passe quand on fait de la pollinisation, évidemment. Donc deux ruches différentes. Parce qu'on veut bien amener des ruches, mais on ne veut pas se les faire intoxiquer. Même si on se fait payer, on ne veut pas. Non, mais honnêtement, je suis étonné, parce que j'ai mis mes 5 outils en route, je sais pas. La goutte. La dégustation. Voilà. Bon appétit, souriez-vous de filmer. Merci.
Vous avez vu les ateliers déjà? Pas encore, non. Pas encore. Merci, vous avez... avance. Ça va arriver à méditer. Alors, Oui, bien sûr. C'était l'heure de la pause alors. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait ici sur le domaine? On a commencé à se dire, on va mesurer ce qu'il y a comme biodiversité et on va étudier la contribution de chaque milieu présent sur l'exploitation. Si vous avez déjà fait un tour, si vous allez en faire une tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a différents milieux. Ici sur le graphique, vous avez 6 milieux différents que nous avons identifiés et dans lesquels nous avons mesuré la diversité en insectes avec le système de piégeage que vous pouvez voir dans l'atelier insectes. Je ne vais pas vous l'expliquer ici. Vous avez les pièges ici, tous sur la feuille. Donc l'état marron, ici, vous montre le nombre d'insectes, le nombre d'individus, tout ensemble, hein, qu'on a attrapé dans les différents milieux. Alors là, vous voyez que l'Outre-Ariège le plus d'insectes. Ben oui, c'est vrai, c'est dans le monde fleuri, semé avec les cosmos, les zinnias, les fleurs ornementales, qu'on a trouvé le plus d'insectes. Mais attention! Pourquoi ils sont là? C'est pas parce qu'ils ont commencé leur vie là-dedans. C'est juste parce qu'ils sont très fortement attirés par ces fleurs. Donc ils vont y aller pour boire un coup, pour manger quelque chose. Ce type de structure, moi j'appelle ça les bars à insectes. C'est le PMU local. Et les insectes vont venir là, mais c'est pas leur lieu de vie. On ne peut pas vivre toute sa vie dans le bar. Il faut aussi avoir de la nourriture, mais c'est plus consistant. Donc, et en plus, quand on regarde, ça c'est les barres vertes, la diversité, le nombre d'espèces différentes trouvées dans chaque milieu, tout d'un coup, vous voyez que maintenant, il n'y a plus beaucoup de différences par milieu. Donc, certes, il y a beaucoup d'insectes dans notre fleurie, mais ce n'est pas forcément le plus divers en espèces. Ce n'est pas le plus biodivers. Et en effet, toutes les lettres qu'on a trouvées dans la robe fleurie qui proviennent, sans aucun doute, des autres zones. Donc ça a été efficace pour les attirer, mais pas pour les nourrir, pour les créer. Ce qui est important par contre dans cette diapo, c'est que, au total, ici sur le domaine, je crois qu'on doit être à 600 ou 700 morpho-espèces différentes, comme ça c'est une technique qui est très importante, et vous voyez que chaque milieu en contient que quelque part entre 200 et 250 espèces. Donc ça montre clairement que pour avoir de la biodiversité, diversité d'espèces, de richesse en espèces, on a besoin des différents milieux. Ici aussi, en viticulture, par exemple, toutes les espèces qu'on a attrapées dans la vigne, on les a aussi attrapées ailleurs. Donc, pour la très très grande majorité, ils ne sont pas nés dans la vigne, ils proviennent des autres éléments. Après, ce n'est pas étonnant, parce que comme vous l'avez vu ici, sur le domaine, dans la vigne, il y a aussi de l'herbe, une espèce de prairie au sol. Donc beaucoup d'espèces qu'on trouve dans la prairie sont aussi présentes dans la vigne. Mais c'est très important de comprendre que si on veut avoir une biodiversité, il faut s'occuper du paysage, pas uniquement d'un élément du paysage. Qu'est-ce que peut faire un vigneron? Il peut, par exemple, mettre en place un environnement naturel. Une espèce de prairie, c'est très riche en insectes. Il peut planter des haies, ça aussi ça attire et ça produit beaucoup d'insectes. Certains préfèrent planter des bandes fleuries, moi je ne suis pas très favorable à ça, parce que je trouve que ça reste très artificiel. Et au lieu d'avoir cette bande fleurie ici, il aurait très bien pu avoir un environnement naturel qui est aussi riche en insectes et qui ne coûte rien, et que là il va lui travailler sur les pieds et les semences. Après, il faut aussi avoir les autres éléments, parfois très naturels. Des pelouches calcaires sèches qu'il y en a, ici dans la région il y en a quelques-unes, ou gérer par exemple les tablis le long des routes. Donc ça c'est notre acteur, c'est notre propriétaire, c'est notre gérant, mais tous ensemble il faut qu'on arrive à gérer un paysage. Je pense que tout viticulteur présent ici aujourd'hui, adhérent à notre structure, il est prêt à se passer des herbicides, à condition qu'on le rémunère suffisamment
pour payer le temps qui va passer. Ça revient pas cher, les insecticides que... Le herbicide, ça sera plus sûr. On passe deux fois par an avec des outils qui vont permettre de travailler à des vitesses trois fois supérieures, à faire deux fois la surface à peu près, donc ça fait quatre fois plus. Huit fois plus vite. On va passer deux fois par an au travail du sol. Suivant l'année, il va falloir passer entre 5 et 7 fois. Et l'objectif de la définition du rendement, il est fait pour avoir un objectif qualitatif. Si on faisait produire la vigne à son rendement maximum, je pense qu'on doit être capable de faire produire des vignes autour de 200 ou 250 hectos à l'hectare, sans grosse difficulté. Aujourd'hui, nos rendements sont de 50. Donc c'est à peu près 4 à 5 fois moins que ce que peut produire la vigne. Donc l'objectif de rendement, c'est absolument pas celui-là. La difficulté, c'est l'objectif qualitatif. Aujourd'hui, quand on fait un vin rouge, pour prendre un exemple les parties intéressantes dans le raisin, la majeure partie, les parties les plus intéressantes sont contenues par les pellicules. Donc en fait, notre objectif, c'est d'avoir un rapport liquide-pellicule le plus faible possible. On ait le plus de pellicules possible pour extraire le maximum d'anthocyanes, de matières qui vont nous permettre de colorer et de donner du goût au vin. Donc c'est pour ça qu'on limite en fait les rendements sur les parcelles. Pourquoi on dit que les proverbes disent le mou se fait en août, enfin, pour faire le vin, la constitution du vin, c'est quand même de l'eau aussi. Là. 98% ou 99% de l'eau. Et donc chaque fois qu'on va concurrencer la plante, notamment pour les vins rouges, eh bien on va concentrer, on va l'obliger à... Si vous voulez, la nature est bien faite. Quand la plante souffre, eh bien elle va essayer de programmer sa survie, donc elle va aller envoyer Mais tous les fruits sont pareils, hein, toutes les plantes sont pareilles. On envoie des réserves vers le fruit. Et donc, chaque fois que la plante va stresser au mois d'août, elle va envoyer des réserves vers le raisin. Et nous, comme on récolte le raisin, on est content parce que plus il aura de réserves, plus il aura de potentialité à générer des bons vins.